fait que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite en acte et en vérité. Je m'appelle Joseph. Je m'appelle Louis-Marie. Théophane. Tristan. J'ai 17 ans et j'ai fait Forme Noire il y a 3 ans. Très belle expérience. Cette année, je compte bien venir en tant qu'animateur. C'est mes parents qui m'ont inscrit parce que mon grand frère était à l'aumônerie des lycéens. Une proposition de l'aumônerie. C'est tout de suite quelque chose qui m'a plu. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. J'étais mitigé sur le fait au début, mais mes parents m'ont un peu poussé. J'étais pas trop tenté à l'origine, je savais pas trop. J'avais des amis qui voulaient y aller. Ils m'ont un petit peu poussé au début. Puis après, j'en ai entendu des bons échos de mon frère qui avait fait les versions précédentes. Et du coup, j'ai décidé d'y aller. Donc j'y suis allé, peut-être la première, et je regrette pas, je pense que c'était vraiment une super expérience, je suis bien content d'y être allé au final. On a cherché à rencontrer des gens, à faire de nouvelles rencontres quand même. Je venais pas pour les copains, parce que j'en avais pas invité, je savais pas qui venait à la base, et même si j'en ai retrouvé... J'ai l'habitude de faire des retraites en famille, en fait, aux grandes vacances. C'est vrai que c'est allé avec des jeunes, donc ça a attiré ma curiosité. Pour vraiment une retraite catholique, pour voir comment on pouvait être catho et s'amuser en chantant, en priant. Et en fait, j'étais assez curieux. Je me disais comment on va pouvoir faire de ce rassemblement quelque chose de divertissant et en même temps avec une réflexion, quoi. Ouais, carrément. Complètement. Complètement. J'ai vu qu'il y avait plein de jeunes catholiques. J'ai eu des très bonnes expériences, j'ai rencontré plein de monde. Je me suis rendu compte qu'on était quand même un certain nombre. De voir qu'on n'est pas le seul jeune. Certaines communautés et qu'on avait de quoi faire des choses et qu'on n'était pas inactifs. Une autre version aussi, une autre façon de voir la messe, de louange et la prière différemment. Ça permet d'être plus extériorisé, plus t'es poussé à aller vers les autres. Ça permet d'avoir des rencontres aussi. J'ai eu parfaitement ce que je cherchais. À la fin, quand on a fait, si je me souviens, une célébration et une messe, on a tous mis à danser sur l'hymne de Forme Noire. On était tous unis, on avait tous un même mouvement en chantant, en dansant, vraiment de la joie, j'étais super heureux d'être là. Vraiment, je crois que j'ai tout aimé. C'est la dernière messe, j'ai fait servant d'hôtel. Continuer à faire ce que je faisais d'habitude tous les dimanches, là avec ce groupe de jeunes, en servant l'évêque en plus, c'était vraiment quelque chose d'autre. Je me souviens que la célébration de fin, ça m'a beaucoup marqué, et surtout l'homélie de l'évêque. En étant servant d'hôtel, toutes les messes, on était avec Monseigneur, les moments de complicité qu'on avait avec lui, c'était très drôle.